comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Boy, does he smell it. You're never getting the double L. I said so. I keep it buzz up in my heart. Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau match des abonnés, donc pour le 19e match des abonnés. Donc un match proposé par Nassim Belash, je sais pas si je le dis bien. Donc tu m'as proposé un Orton contre Reigns contre Rollins en Steel Cage match, sauf qu'il n'y a pas dans ce jeu des Triple Threat Steel Cage, donc j'ai préféré mettre un Hell in a Cell, c'est pareil, il y a une cage. Donc tu m'as demandé de choisir la Superstar et l'arène que je voulais, donc j'ai choisi Backlash, je ne sais plus combien. Je crois que c'est Backlash 2002. Pour changer, j'ai décidé d'incarner Seth Rollins. Parce que j'ai incarné énormément. J'ai beaucoup incarné Roman Reigns et Orton. Je crois dans ces matchs. Et j'ai jamais incarné Seth Rollins dans les matchs des abonnés. Donc, on va incarner Seth Rollins. Et on va essayer de gagner ce match Hell in a Cell. Autant dire que ça va être très très chaud. Roman Reigns et Seth Rollins qui sont les premiers. A participé à des matchs Hell in a Cell. Orton a plus d'expérience dans ce genre de match, évidemment. Mais on verra qui va gagner. Alors que là, l'ex-bête du Shield, Roman Reigns, est là. On va dire le prochain John Cena. Même si pour moi, je préférais quand il était avec le Shield, hein, franchement. Parce que là, ces temps-ci, même si je l'aime toujours aussi bien, même si c'est toujours mon catcheur préféré actuellement. Donc actuellement c'est quand le catcher catch est encore en activité. Il a un peu moins de puissance, hein. Il montre un peu moins de puissance comparé à l'époque du Shield où il déglinguait tout, quoi. Il déglinguait complètement tout. Alors que là on dirait qu'il se limite au déglingage, il se limite. Alors que là veuille accueillir le WWE World Heavyweight Champion et surtout le catcher que je vais incarner. Le mec le plus hué de tous les temps, le mec qui a créé, grâce à lui on a pu créer le hashtag t'es vendu, hein, hashtag sell out, donc hashtag t'es un vendu. Seth Rollins, l'ex-technicien du Shield, et d'après Stephen McMahon c'est le technicien de rêve. Alors là, c'est magique, hein, le technicien de rêve. Le technicien de rêve, lol. La ceinture elle est pas mise à jour, hein, parce que normalement elle s'est avec le nouveau logo là, c'est l'ancien, c'est un peu dégueulasse. Et j'espère je suis même sûr qu'ils mettent à jour les ceintures pour le 2K16. Je parie énormément de 2K16, mais bon, c'est comme ça, les amis. Hein. J'ai rien à vous dire, qu'est-ce que je pourrais vous parler de ce qui se passe pour Money in the Bank? Ça va, c'est. Pour l'instant, la carte est pas mal. Hein. La carte de Money in the Bank, il est pas mal. Hein. Le Money in the Bank est dans le match entre. Alors, si je me rappelle bien. Entre Neville, Dolph Ziggler, Sheamus, Randy Orton, Roman Reigns. Le sixième, c'est qui? Je me rappelle plus, c'est qui le sixième. C'est un mec qui doit pas être dans Money in the Bank. Il y a Ken qui s'est rajouté, ils sont 7, mais le 6ème, je me rappelle plus, c'est qui. Alors, John Orton, Neville, Dozegler, Sheamus, Kane. Attendez, dernier c'est qui? Je me rappelle plus c'est qui le dernier. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, on a vu qu'il y aura un rematch entre Kevin Owens et John Cena. Donc, un match, espérons qu'il soit beaucoup mieux que le premier, même si, voilà, il peut pas être mieux parce qu'il était vraiment excellent le premier match. Mais bon, j'ai pas vraiment vu un Kevin Owens aussi agressif qu'on le voit à NXT. Pourquoi, je ne sais pas. Et après le rematch en ladder match entre Dean Ambrose et Seth Rollins pour le titre de la WWE. Ouais, ça pour l'instant c'est une belle carte. À ce qui paraît, il devrait avoir un triple threat match pour le titre intercontinental entre champion Ryback, Big Show et le Miz. Faudra voir ce que ça donne. On va s'attaquer à Randy Orton, hein, puisque c'est notre ami de base. Oh, merci Roman Reigns. Merci Poto. Tiens. Oh putain.
Seth Rollins il se fait frapper partout. C'est une partout pour Seth Rollins là. Et la descente du coude, enfin la descente de l'avant-bras je pense. Plus. Tiens, Orton. Je vais faire harceler par les gens qui sont fans d'Orton. Le tomber. Cassé par Roman Reigns. Alors, l'enfourchement. Suivi du neckbreaker. Là, on reconnaît bien le technicien. Roman Reigns gathering attention in a hurry. Whoa, I didn't see that coming. Yeah, that's because Seth Rollins, it's just so quick. Oh, le coup de la corde à linge. Une puissance. Oh man, Rollins was dropped like a sack of potatoes. Cole, what you got in mind? Oh là là. You know, Rollins was one half of the WWE tag team along with Roman Reigns. So what all of this means is, right now we all know, when Seth Rollins touches down in that ring, all hell is gonna break loose. Seth Rollins finds a way out. Great move. These no DQ matches are so dangerous. Heads up. That'll put your lights out quick. Ah, j'ai eu une période de blanc, excusez-moi. Une belle période de blanc. Oh, je pensais à autre chose en fait. Plutôt trop pas, excusez-moi. Parce que Rollins est en train de dominer le match. Enfin, pas rien, parce que Roman Reigns a plus de vie en fait. Il a l'air d'être le plus chaud, mais. En fait, Rollins, il a pris cher. Hein. Un peu comme Orton aussi. He's got a nasty looking object in his hands. Randy Orton. No. Oh, what an impact. Steel against Bone. Ta gueule, toi. How many more chair shots can they take? Nice reversal by Orton. Oh, Orton. Orton qui contre Rollins. Coming a mile away. He gets out of trouble there. Oh là là. Et cette fois, le coup de la corde à linge qui passe. Orton avec un Lucian Neck Sweep sur Reigns. Un beau match, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas de Steel Cage en Triple Threat, c'est vrai. C'était pas compliqué, ils ont réussi à faire un Steel Cage match en 1 contre 1. Tu rajoutes un catcher, c'est tout. Pas compliqué. Eh, bâtard. Oh, mais Orton, quoi. Juste pour placer son DDT, c'est hallucinant. Hallucinant Orton, putain. Je vais te laisser faire ce que tu veux, Orton. T'es arrivé. Ouais, en fait, je prends cher. Je suis en train de prendre cher là dans le match. C'est soit je prends cher, soit je donne pas de coup aux adversaires. Roman Reigns was one of the most feared defensive tackles in the United States when he played NCAA football at Georgia Tech. Loin des seuls à ne pas avoir de finisher. Quand je m'en prends un maintenant là tout de suite. En fait, pas encore. Seth Rollins gets out of trouble and quickly. Ah, le Superman Punch, très bien. Porté. Non. The damage has definitely been done. Now it's just be a matter of time. Oh, Randy Orton.
Oh, bien joué, bien joué. Et toi, tu vas déjà te calmer, Orton, hein. What a rescue there. He's back on his feet. But you can see the abuse from this grueling match has definitely taken its toll. And he reversed it. There's the cover. Can he do it? What is keeping this competitor going? Rollins, donne un coup de pied. Regarde-moi ça, Rollins. Il sait plus, il est bourré. Rollins est bourré. Oh, mais c'est hallucinant. Bah. En toute façon, ils veulent pas te laisser placer une seule prise. Hein. Allez, regarde-moi ça. Faut qu'on finisse, espèce de bâtard. Ah, oh, dommage. Ça aurait été beau, genre Renzi il s'en va. Non, 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 non. Par le spike DDT une nouvelle fois. Reigns, Reigns, Reigns. Reviens sur le ring, mec. Bien joué, Reigns. Voilà, le combo. Hein. Oh, bien joué, Orton. Ça, c'est du match, les amis. On a le droit à un très, très beau match, là. Non, 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 non. Oh là là. On a réussi. Oh, ça enchaîne, ça enchaîne. On arrive à se dégager très très vite. Et deuxième RKO sur ce Roman Reigns. Oh, oh l'enchaînement. Oh l'enchaînement, Roman Reigns. Oh, oh putain. Oh l'enchaînement. Ah, j'ai envie de revoir l'enchaînement parce que le mec, il fait un spear sur Orton. J'essaye de prendre une prise pour le virer. Il me compte. Superman punch et il gagne. Oh le match. Oh la fin. Oh la fin de taré. J'espère qu'on va revoir. Ouh, oh le beau match, c'était franchement un beau match, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, merci à toi d'avoir proposé ce match. Et je vous dis peace, ça out. And look at the impact in these highlights. That match was incredible. I can't believe what we saw during it. Let's take a look back at what exactly happened during this one. Here is your winner, Roman Reigns. Absolutely amazing. We knew he felt he had to win this one tonight. I mean, there's absolutely no way to underscore how big this victory is. Perhaps the biggest in his life.